Des centaines de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté dimanche à Jérusalem contre une récente décision de la Cour suprême israélienne d'annuler un texte les exemptant de service militaire. La manifestation qui s'est tenue dans un quartier religieux a dégénéré en violence lorsque les protestataires ont bloqué les routes et se sont opposés aux forces de police qui tentaient de les disperser. 8 manifestants ont été arrêtés. La puissante communauté des ultra-orthodoxes représente 10% de la population israélienne. Le service militaire est obligatoire, sauf exception. Il dure 2 ans et 8 mois pour les hommes et 2 ans pour les femmes. La Cour n'a suspendu cette décision que pour un an. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou, pour lequel le soutien des ultra-orthodoxes est vital, pourrait donc mettre en place une nouvelle loi.